Politiciens de toutes les régions, amis québécoises et québécois, vous vous êtes rassemblés ici afin de répondre à la menace des changements climatiques. Le Québec est au bord de la destruction. Nul ne peut y échapper. Vous vous unirez ou vous serez vaincus. Chaque parti est lié à ce destin, à ce sort commun. Montrez-leur l'anneau, Gabriel. Prends ton temps. Il n'y a personne qui est pressé ici. Personne qui a rendez-vous chez le dentiste tantôt. Non. Oh ben, tabarnouche. Québec solidaire est clairement le seul parti avec des solutions concrètes, Manon. Tout à fait. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'abolir les voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Il est grand temps que le Québec se réveille et fasse les changements nécessaires pour sauver la planète. Vous n'avez pas le choix. L'anneau doit être détruit. Mais qu'est-ce qu'on attend pour la faire? L'anneau ne peut être détruit, Monsieur Legault de la CAQ, par aucun moyen en notre possession. L'anneau a été forgé dans les flammes du capitalisme pétrolier. Il n'y a que là qu'il peut être détruit. Il faut s'attaquer au cœur du problème et se débarrasser du pétrole qui a gâché l'environnement. L'un de vous doit le faire. Ben, Québec solidaire, c'est déjà pas mal ce qu'on propose. On ne se débarrasse pas si facilement du pétrole. Son exploitation rapporte énormément d'argent. J'ai des amis à qui je dois graisser la patte. Des médecins dont la rémunération est toujours pas suffisante. Des entreprises qui ont besoin de plus de cash. Protéger l'environnement, ok, mais pas aux dépens de l'économie. Voyons donc. Le Québec n'a pas le droit d'avoir de l'ambition. C'est une folie. N'avez-vous pas entendu ce que le seigneur Patrice Roy a dit? Le pétrole doit être détruit. Une autre idée avec une autre taxe, monsieur Lisée. Si on n'a plus de pétrole, je fais quoi, moi? Comment je fais pour baisser l'impôt de tous mes amis riches? J'aime mieux mourir plutôt que de voir cet anneau dans les mains d'un péquiste! Oui, il a raison! C'est pas comme ça qu'on va faire! Donnez l'anneau à la CAQ! Oui, nul ne peut se fier à un péquiste! Cet anneau-là, on peut le laisser de côté, car c'est pas si important que ça, l'environnement. Franchement, il y a beaucoup d'autres priorités avant de faire ça. Non, mais ça serait un peu honnête. Qui est le véritable chef du Québec solidaire? Personne n'en parle! C'est le bilan du parti américain qui est la garde de l'Écatlan! La garde de l'Écatlan! Je vais le faire! Je vais le faire! C'est complètement ridicule ce que vous me dites là. Je vais débarrasser le Québec du pétrole. Bien que je ne connaisse pas le moyen. Ouais, tu te prends pour qui? Je vais t'aider à transporter ce fardeau, Gabriel Nadeau-Dubois. Je sais, je suis quand même ta co-porte-parole, hein? Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Ils sont bien intenses, ils sont partis verts. Vous avez mon vote. Et celui du PQ. Et la CAQ! C'est comme ça que ça marche, la politique? C'est bien parce que je sais pertinemment que QS a aucune chance d'entrer au pouvoir. Oh, ça c'est chien. Mais je vais faire comme si le PLQ se rangeait à vos côtés. Hé! Hey! Québec se garnira nulle part sans les communistes! Non, en effet, il semble bien difficile de vous empêcher d'offrir votre support à un parti qui ne l'a pas sollicité.
Trudeau aussi! Vous pensez quand même pas vous débarrasser du NPDQ puis des conservateurs, hein? Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de gens crédibles pour ce genre de... mission... quête... chose? Surtout eux autres! Bon, ça élimine pas mal les conservateurs, hein? 9 partis politiques. Qu'il en soit ainsi, vous formerez la coalition de l'anneau. Chouette! Quand est-ce qu'on vote? Le 1er octobre, Inassa.